sur un projet qu'on suit depuis le début, c'est-à-dire dès l'audit énergétique, on est présent en fait à chaque assemblée générale importante, celle qui vote la mission d'audit, celle qui vote la mission de conception du projet de rénovation énergétique, celle qui vote les travaux et éventuellement celle aussi qui statuera sur les résultats du chantier et quels sont en effet les réels résultats de ce chantier. Au fur et à mesure de nos projets, on s'est rendu compte que la communication avait un poids vraiment primordial dans la réalisation des projets. Donc on propose différents supports, que ce soit des affiches qu'on met dans les halls, dans les cages d'escalier, dans les ascenseurs, des réunions d'information qui sont destinées à tous les copropriétaires pour évoquer les points techniques et les points financiers, mais aussi des permanences individuelles où on accueille les copropriétaires pour leur annoncer leur quote-part ou bien pour travailler à leur financement, leur indiquer quelles sont les aides auxquelles ils peuvent prétendre et quels sont les financements aussi auxquels ils peuvent prétendre pour financer le reste à charge. On ne peut pas créer un projet et seulement demander leur avis aux copropriétaires quand ils veulent voter la mission de conception et la mission de réalisation du chantier. Il faut les tenir informés de l'évolution du projet, de savoir quelles sont les options qui sont retenues par le conseil syndical, qu'est-ce qui a été proposé par la maîtrise d'œuvre, qu'est-ce que le syndic valide aussi. On est obligé, sinon c'est clair qu'on va à l'échec. Il faut aussi qu'on les rassure, qu'on leur dise que par rapport au financement collectif, on en trouve, qu'on fait notre travail de vraiment leur proposer les solutions optimales.